Ah, stronzo! Merde, putain di telefono! Ah si, allô, bella pizza, buongiorno! Oui, allô, bonjour monsieur, je voudrais vous commander une pizza Andy Bogart, s'il vous plaît. Una pizza Andy Bogart? Ma si, je vais vous la faire. D'ici 30 minutes, c'est bon. Bueno. Ciao. D'accord, merci beaucoup, à tout à l'heure. Sale bête! Ah, je reconnais bien mon style. Je vous présente les visages d'Andy Bogart. Ah, tu es une belle blonde, toi. Tu es un vrai combattant. Ah, belle face de cul. Et une petite sourire pas content. Ah, c'est un chef-d'œuvre. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter ceci, Fatal Fury Special. Ce jeu est sorti en 93 et c'est la copie conforme de Fatal Fury 2, avec des personnages supplémentaires. Donc vous allez pouvoir voir ici dans l'insert la différence, donc l'écran de sélection est différent. Je n'ai pas mis d'autres parties de gameplay étant donné que les stages ou les manipulations sont strictement identiques. Dans les premiers softs de la Neo Geo, les modes de jeu ne faisaient pas légion. Vous constaterez ici qu'il n'y en a strictement aucun. Il y a juste la possibilité de choisir le niveau de difficulté avant de lancer le combat. Les personnages sont au nombre de 15. Enfin, Toutoun, tu te trompes, tu sais bien que c'est pas 15, c'est 16. Mais t'es qui au fait, toi? Toutoun, enfin, je suis ta conscience, là. Ma conscience? T'as vu ta tronche? Mais tu me ressembles même pas, c'est nouveau, ça. Je te ressemble pas, encore heureux, avec ta gueule de déterré, il ne manquerait plus que ça. Nous allons maintenant parler des touches. Le bouton A, ce sera pour réaliser un coup de poing faible. Le bouton B, un coup de pied faible. Le bouton C, un coup de poing fort. Et le bouton D, un coup de pied fort. Une des particularités de cette saga Fatal Fury, vous allez pouvoir changer de plan. Vous appuyez simultanément sur le bouton A et le bouton B, vous pourrez aller sur le plan arrière. Vous pourrez appuyer à nouveau sur le bouton A et B, vous reviendrez au premier plan. Autre particularité, si vous vous trouvez sur un autre plan que votre adversaire, vous allez pouvoir appuyer deux fois sur le bas ou deux fois sur le haut pour rejoindre votre adversaire en roulant. C'est une manipulation qui permet de rejoindre votre adversaire plus rapidement lorsque lui appuie simplement sur A et B. Vous pourrez également, en vous situant sur un plan différent, appuyer sur une des quatre touches afin de pouvoir rejoindre votre adversaire en le frappant. Vous pourrez également effectuer un coup plus puissant en appuyant simultanément sur le bouton C et le bouton D. Vous ne pourrez pas faire de bond vers l'avant, mais vous pourrez effectuer un dash arrière, donc un bond vers l'arrière pour éviter les coups de votre assaillant, en appuyant simplement deux fois sur la touche arrière.
vous appuyez vers le bas, vous faites diagonale avant et vous allez pouvoir avancer de façon accroupie. Ce n'est pas possible de le faire en marche arrière. Excepté le personnage Axel qui est un sous-boss, vous pourrez effectuer une projection commune à tous les personnages, en appuyant simplement simultanément sur le bouton avant et le bouton C. Autre particularité de gameplay, afin de pouvoir reprendre l'avantage sur votre adversaire, tout en bloquant un des coups de votre adversaire, vous faites la manipulation suivante, donc vous bloquez avec le bouton arrière, vous appuyez simultanément sur le bouton A et le bouton avant, afin de pouvoir faire une sorte de coup de contre. Lorsque vous subirez des dégâts, votre barre de vie va se mettre à clignoter, plus ou moins à 20%, et vous allez à ce moment-là pouvoir déclencher des furies. Contrairement à certains jeux plus récents, ces furies vont pouvoir être déclenchées de manière illimitée. Lorsque vous vous trouverez loin de votre adversaire, vous pourrez jouer au malin et faire des provocations, simplement en appuyant sur le bouton C. Vous allez pouvoir étourdir votre ennemi lorsque vous le frapperez régulièrement. Il est temps maintenant de vous présenter The Move List.
Afin de terminer le mode arcade, vous allez devoir combattre les 15 protagonistes. Et pas tout à fait. Sous certaines conditions, vous allez pouvoir combattre Ryo. Ryo est un personnage issu de la série Art of Fighting. Afin de pouvoir le combattre, vous allez devoir réaliser le mode arcade d'une traite sans perdre aucun round. Harry versus Billy! Harry versus Lawrence. Harry versus Krauser. I'll chisel your grin.
挑戦者現る! Harry versus Yo. Ryo sera également jouable uniquement en mode versus. Pour cela, lorsque vous avez vaincu Ryo sans perdre un seul round, laissez tourner la démonstration. Au moment où vous entendrez Fight, il y aura une manipulation spécifique à réaliser. Si la manipulation a fonctionné, vous entendrez le célèbre cri de Ryo qui est Ora Ora! Round 2! Yo versus Yo! Concernant Ryo, je vous présente sa move list. Vous terminerez le mode arcade non sans mal car la difficulté est relativement excessive. Il faut savoir que les jeux d'arcade, leur but c'était d'amasser un maximum d'argent. Il fallait insérer des pièces régulièrement. Ça arrangeait beaucoup les commerçants. Et après avoir vaincu soit Krauser ou soit Ryo si vous avez réussi votre coup, vous pourrez assister à la fin génialissime du jeu. Il n'y a pas grand chose en fait, vous pourrez la constater dans l'insert suivant. Ok! リチャード、どんどん持ってきてくれ。腹が減って仕方がねえぜ。 Attention, ouvrez grand les yeux. Il y a deux costumes différents. Non, pas deux costumes, deux sets de couleurs. Le costume 1 sera sélectionnable avec le bouton A, B ou C. Le second. Au fur et à mesure de votre combat, vous allez pouvoir constater que d'un round à l'autre, les stages sont évolutifs. Un petit peu à la manière de Street of Fighter 2, vous allez avoir des interactions. Interaction, c'est quoi? C'est-à-dire que si vous êtes projeté sur certains éléments de décor tels que des caisses, vous allez pouvoir les casser. Vous pourrez également faire tomber les conducteurs de cyclomoteurs dans le stage de Kim.
Les combattants réagiront différemment selon la distance à laquelle ils se trouvent de leur adversaire. Plus ils se rapprocheront et plus certains seront rapides lors de leur mouvement, ou d'autres s'immobiliseront en attendant le coup suivant. Près de votre barre de vie, vous aurez une petite icône qui montre un petit peu l'état de santé de votre personnage. Il y a trois icônes différentes. Vous allez voir dans l'insert suivant que Mai, dans son propre stage, va pouvoir interagir avec les drapeaux qui se situent en second plan. Elle va se projeter littéralement sur l'adversaire en le frappant. Et c'est normal parce qu'il n'y a que Mai qui maille. En cours de partie, lorsque vous ferez pause en appuyant sur le bouton Select, vous pourrez avoir un menu supplémentaire qui est le Sound Test. Pour cela, donc dans l'écran de pause, appuyez sur le bouton A, B, C, D et revenez sur le bouton A et vous pourrez entendre le sound test du jeu. C'est pas super important, mais c'est intéressant de le souligner. Au niveau de ma conclusion, c'est un jeu que j'ai pris beaucoup de plaisir à tester. Je ne le connaissais que de réputation. Les mouvements sont peut-être un petit peu raides, les manipulations, surtout les furies. Ça, il faudra vraiment un temps d'adaptation. Il n'y a pas à dire, c'est du SNK pur au niveau des subtilités, c'est toujours intéressant malgré tout. Même si le jeu a peut-être un peu vieilli, les sprites sont peut-être un petit peu moins jolis que ce que j'ai pu présenter auparavant. Je tiens à souligner que les musiques du jeu sont excellentes. Comme à son habitude, SNK nous a montré des décors où il y a beaucoup de détails. Vous constaterez dans le décor Italie, il y a le Colisée, les décors sont très variés. Il y a, comme d'habitude, ça fourmille de détails en fait. Est-ce que je vous conseillerais ce jeu aujourd'hui? Eh bien, si vous êtes dans le rétro gaming, rien n'empêche de le tester. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des jeux un petit peu plus récents, un petit peu moins rigides, et où le gameplay est un petit peu plus complet. Mais ça reste malgré tout un must. Comme d'habitude, je remercie les plus courageux de m'avoir suivi dans cette 6e vidéo. Et je vous dis à une prochaine pour la 7e vidéo. Putain de téléphone encore. Merci, allô? Oui, allô, c'est encore moi. En fait, je voudrais annuler ma pizza et vous commander le jeu Fatal Fury spécial, s'il vous plaît. Bah, tu m'emmerdes! Qu'est-ce que je vais faire de la pizza maintenant? Ouah, tu me casses les couilles, ok, pas de problème, je vais t'envoyer ça. Ah, tu vas l'avoir, ton jeu casse les couilles. Tiens, tu ne me l'as pas demandé, mais tu m'as cassé les couilles, je vais te salir ton jeu. Ah, on va enfin pouvoir se régaler. Oh putain, j'avais dit sans supplément.